Ce numéro de Territoire et Aménagement est consacré à la revue des activités du ministre Jean-Jacques Bouya au cours de l'année 2018 qui s'achève. Cette rétro se fera en deux volets, le volet coopération et le volet grands travaux, c'est-à-dire les différentes visites des chantiers. Aujourd'hui, nous vous proposons la partie coopération, ce que le ministre Bouya a fait à l'étranger et ce qu'il a fait ici au Congo, les rencontres qu'il a eues notamment dans son cabinet de travail. Et c'est un commentaire de Blanche Moka. Dans un contexte national marqué par la volonté du président de la République de poursuivre les grands chantiers d'aménagement, malgré la récession économique telle que rappelée par le chef de l'État dans son message sur l'état de la nation, les cadres et agents du ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des grands travaux, se sont déployés dans leur mission annuelle autour du ministre Jean-Jacques Bouya. 12 mois durant, qu'entre les aléas de la conjoncture et les difficultés de parcours, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des grands travaux, a usé d'un management de proximité pour mener à bien les activités du ministère conformément à la lettre de cadrage 2018. Dans la rubrique de mission de service à l'étranger, le ministre Jean-Jacques Bouya a séjourné au Kenya du 7 au 14 mars 2018, où il a eu de fructueux échanges avec les autorités de ce pays et a effectué quelques visites techniques dans les entités relevant de son champ de compétences. À cette occasion, il a été reçu par le vice-président Son Excellence Monsieur William Ruto et par la ministre kenyane en charge de l'éducation et de la jeunesse. Au cours de cette visite, les deux parties ont évoqué les questions liées à la coopération bilatérale, mais aussi déploré l'insuffisance des échanges d'expériences dans divers domaines. Le renforcement des capacités et l'expérience technique dans la prise en main de la jeunesse déscolarisée et la contribution de celle-ci au développement des infrastructures était aussi au centre des préoccupations. Ceci a d'ailleurs commandé à la visite du chemin de fer Nairobi-Mombasa, première tranche du chemin de fer Mombasa-Nairobi-Naivasha. Il était question pour l'homme d'État congolais d'apprécier la qualité de l'ouvrage réalisé par China Road Bridge and Corporation, CRBC, filiale du groupe China Communication Construction Company, CCCC, qui en assure également la gestion. Vision of the president is a vision 2030. Yes, the vision is how we can connect the nation. And this project is the first step for to connect all of the nation, some nation here. Yeah. Connect Uganda, connect Rwanda, connect, Burundi. Cet exercice s'est poursuivi au méga chantier de construction d'une cité de 6 tours, édifiée au centre-ville de Nairobi, réalisée par AVIC, a permis au ministre Jean-Jacques Bouya de mesurer l'importance des engagements financiers du groupe dans le secteur de l'immobilier. Membre de la délégation présidentielle en Chine, le ministre Jean-Jacques Bouya a participé du 6 au 8 septembre 2018 aux côtés du président de la République à la 4e édition du Forum Investir en Afrique, l'événement diplomatique majeur de l'année 2018, conjointement organisé par la Chine et la Banque mondiale dans la ville de Shenzhen. Cette 4e édition, organisée dans la région natale du président Mao Zedong, a été marquée par la désignation du Congo pour la tenue de la 5e édition en 2019. Elle a connu la participation de 2 chefs d'État et de plusieurs délégations de haut niveau venues de Chine, de la Banque mondiale et de plusieurs pays africains. Les délégués s'étaient penchés sur les solutions qui devraient permettre la mobilisation d'un panel suffisant d'investissements privés, nationaux et étrangers afin de transformer les économies africaines et de créer les emplois dont le continent a besoin.
L'importance de ce forum que le Congo s'apprête à accueillir peut se mesurer à l'aune des panels organisés qui se sont articulés autour de grands thèmes. La diversification de manière globale des économies africaines passe effectivement par l'électricité, par la production suffisante d'électricité pour espérer effectivement aller au développement. Donc c'est un défi majeur pour les dirigeants, pour les gouvernements. Et nous pensons que le défi est à la hauteur de tout ce que nous pouvons faire ensemble. D'une part, essayer d'avoir des capitaux suffisants pour pouvoir créer ces conditions, d'apporter l'électricité là où il faut. Et je pense que des études ont été réalisées en tenant compte que le gouvernement, les gouvernements des États, par leurs investissements publics propres, ne peuvent pas en totalité pouvoir financer l'ensemble des infrastructures liées à la production de l'énergie. Donc il faudra quelque part que le secteur privé y participe. Et j'ai beaucoup apprécié le concept mis en place ici à travers les annonces du président Xi Jinping sur la possibilité d'encourager les sociétés chinoises, elles sont pour la plupart là, des sociétés chinoises, à pouvoir investir, construire et exploiter. Après la réunion interministérielle congolaise avec les experts de la BAD et ceux de la CEAC et d'Africa 50, le 8 mai 2018, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, et le ministre d'État, ministre du Plan de la RDC, Modeste Muyai Lukwembo, ont procédé le 7 novembre 2018 à la signature du contrat cadre de développement de ce projet d'envergure à Johannesburg en Afrique du Sud. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Ingrid Ghislaine Olga Ebuka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et gouverneur des pays de la Banque africaine de développement et des responsables de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, d'Africa 50, en charge du dossier, et de la Banque africaine de développement, BAD. Il y aura l'avancement de ce projet avec un partenariat très fort entre la Banque africaine de développement, Africa 50, et les pays qui sont concernés. Je voulais dire que ce sont un grand exemple de ce que le Forum d'investissement en Afrique apporte pour accélérer le développement des projets et aussi le lancement des projets de financement. Le projet du pont route rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées au monde, est une mine d'or qui dégage de multiples opportunités. C'est en réalité le trait d'union entre l'ensemble des transports multimodaux au niveau du continent, le continent africain et même au niveau des différentes sous-régions, à l'instar des réseaux routiers ferroviaires, principalement l'axe vertical Tripoli-Windhoek jusqu'au Cap, l'axe transversal Libreville-Mombasa. Donc, si nous mettons en œuvre tout cela, cela pourra enrichir davantage cet ensemble du réseau multimodal aéroportuaire déjà entre nos deux villes, Brazzaville et Kinshasa, l'aéroport de Mayamaya et de Ndjili, les réseaux routiers ferroviaires de part et d'autre du fleuve, et même le corridor de la navigation fluviale dans les localités voisines de Maluku de part et d'autre, avec nos projets des zones économiques spéciales. On espère trouver parmi vous, parmi ceux qui écoutent, un ensemble d'investisseurs pour s'intéresser à cela. Donc vous avez bien compris que les peuples d'Afrique, et notamment sur l'Afrique centrale, précisément des deux Congo, attendent évidemment avec impatience la réalisation de ce grand projet, projet d'une EHPAD, effectivement conduit par la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et là, on peut dire que toute notre responsabilité est engagée pour la réussite de ce projet. Le ministre d'État, ministre du Plan, Modeste Mahati Lukwembo, de la République démocratique du Congo, à l'instar du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux du Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, a salué l'implication directe des partenaires au développement dans ce projet. Je dois dire sincèrement que ce projet est resté longtemps dans les tiroirs. Pourtant, je me rappelle que lorsque est né l'EHPAD, parmi les projets qui étaient listés à la première loge,
il y avait ce projet Port-Route Rail. Et donc voilà que, après tant d'années, nous allons consacrer donc ce projet, nous allons le porter au fonds baptismaux. L'autre fait qui a marqué la coopération économique en cette fin d'année 2018, c'est la séance de travail entre le gouvernement de la République et la BAD, ayant porté sur la présentation d'Africa 50 comme opérateur pour le projet du pont Route Rail sur le fleuve Congo. La Banque africaine de développement BAD et le gouvernement congolais s'activent sur l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des financements nécessaires du projet de construction du pont Route Rail entre Brazzaville et Kinshasa. 5 membres du gouvernement ont en effet échangé le mardi 8 mai 2018 avec une délégation conjointe BAD-CEAC conduite par Jean Kizito Kabanguka en séjour de travail au Congo pour le suivi du projet de construction du pont Route Rail entre Kinshasa et Brazzaville, ainsi que d'autres projets éligibles au guichet BAD. Les deux parties ont bien voulu s'accorder sur certains points qui constituaient encore des zones d'ombre dans l'instruction du dossier lié au financement de ce projet. L'occasion était propice pour la présentation d'Africa 50, une branche de la BAD spécialisée dans les infrastructures, a été responsabilisée pour la restructuration, la mobilisation des financements possibles afin de rendre le projet éligible à son modèle, tout en complétant certaines études, y compris, si possible, le financement du raccordement routier de 33 km entre la RN2 et le site de l'ouvrage. L'étude devra aboutir à la formulation d'un partenariat public-privé qui intègre tous les paramètres. Au cours de cette réunion, d'autres points liés au plan consensuel des transports en Afrique centrale ont été également évoqués. En séjour de travail à Brazzaville, la délégation des experts de la China Overseas Infrastructure Development et Investment Corporation Limited, COEDIC en sigle, conduite par Liu Zhan, a eu une séance de travail ce vendredi 27 juillet 2018 avec le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. La rencontre a abouti à la signature d'un accord cadre pour le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire entre les deux parties, des ministres Pierre Mabiala, des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, représentant le ministre des Zones économiques spéciales, Yvonne Adélaïde Mungani, des petites et moyennes entreprises de l'artisanat et du secteur informel, et Ingrid Olga Ebuka Babakas du plan de la statistique et de l'intégration régionale. Cette signature d'accord cadre fait suite aux négociations menées du 23 au 27 juillet 2018 par les experts de la COEDIC et de la partie congolaise. Il comprend 4 parties généralement. La première, c'est la planification spatiale conceptuelle. La deuxième, c'est industrielle conceptuelle. La troisième, c'est le rapport préliminaire d'étude de faisabilité. Et la quatrième, c'est un peu plus important, c'est la suggestion du loi de la ZES. Le document a été paraffé par le chef de la délégation China Overseas Infrastructure Development et Investment Corporation Limited, Liu Jun, et le directeur du cabinet du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, Dieudonné Bontimba. Toujours au chapitre de la coopération, les ministres Jean-Jacques Bouya de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux et Gilbert Mokoki des Zones économiques spéciales ont eu une séance de travail avec une délégation de la Banque de développement de Chine conduite par Madame Yu Yong Yu. Accompagnée des partenaires de China Overseas Infrastructure Development and Investment Corporation, spécialisée dans la conception des projets d'exploitation, la délégation de China Development Bank
est venu échanger avec les autorités congolaises sur l'état d'avancement du projet de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire et sur ses différents modes de financement. Le 5 septembre à Pékin, devant le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso, nous avons signé un accord cadre de développement de la zone économique spéciale. Et le développement de la zone économique spéciale signifie que nous allons aménager le territoire sur lequel sera implantée la zone économique spéciale. Ce sont des grands travaux qui vont, être exécutés, qui nécessitent des financements énormes. Et vous comprenez pourquoi la Banque de développement de Chine est très intéressée. Elle est venue en fait nous donner les informations sur les différents modes de financement qu'eux ils pratiquent. Il s'agit essentiellement des prêts préférentiels, concessionnels plutôt, et puis des prêts commerciaux. Le projet de réalisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est l'un des projets phares du partenariat stratégique entre la République populaire de Chine et la République du Congo dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. Autre événement diplomatique qui a fixé l'attention de tous, c'est la cérémonie d'adieu de l'ancien ambassadeur de Chine au Congo, M. Xia Yong. Une audience lui a été accordée par le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, en présence de son collègue des Finances et du Budget, Calix Ganongo, le 8 février 2018. Les deux membres du gouvernement ont tenu à remercier le diplomate chinois pour ses efforts inlassables dans le renforcement de cette coopération bilatérale matérialisée par la réalisation de plusieurs projets structurants en République du Congo. Arrivé en terre congolaise en 2015, Xia Yong a quitté ce pays 2 ans après de bons et loyaux services. Soyez assurés que ce soit en Chine ou dans un autre poste à l'étranger. Vous trouverez dans ma propre personne un fervent défenseur d'une bonne cause. Je serai toujours un fervent défenseur de la coopération entre nos deux pays parce que je suis sûr que c'est une coopération qui va dans l'intérêt de notre pays, de notre peuple, et aussi dans l'intérêt de la solidarité entre d'un côté la Chine et de l'autre les autres pays africains. De l'empire du milieu au pays de l'oncle Sam, le ministre Jean-Jacques Bouya a reçu le nouvel ambassadeur des USA au Congo, Todd P. Haskell, qui venait de prendre ses fonctions à Brazzaville. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité qui meublent la coopération entre les USA et le Congo dans le domaine des infrastructures. Je suis très heureux de voir que vraiment c'est bien compris dans le gouvernement l'importance de faire des réformes, d'amener des investisseurs américains mais aussi d'autres pays de venir ici pour participer dans le développement du Congo. Quant au nouvel ambassadeur de Chine au Congo, son Excellence Mafouling, il a été reçu en audience le mardi 10 avril 2018 par le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, quelques jours après sa prise de fonction. Les deux personnalités ont passé en revue l'état d'exécution des projets de coopération bilatérale entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Au cours de cette entrevue, l'occasion a été mise à profit de finaliser les projets en cours, à l'instar de la construction des tours jumelles de Pila, le mall de Brazzaville à Pila, le nouveau siège des deux chambres du Parlement, l'école des métiers d'Oyo et l'Institut de transport de Brazzaville. La coopération entre la Chine et le Congo, surtout dans le domaine de la construction des infrastructures a déjà une très bonne base. Et à partir de cette bonne base, nous devons encore continuer.
Nous devons encore avancer avec des nouvelles méthodes, de nouvelles façons pour que cette coopération soit élargie, plus surtout plus efficace. Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouillat, a accordé le mardi 25 septembre 2018 une audience à M. Raoul Mateur Pola, nouveau représentant de l'Union européenne au Congo. Au cours de cette entrevue, qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux personnalités ont échangé sur les acquis de cette coopération, combien fructueuse, avant d'évoquer ses perspectives sur un avenir proche. Passant en revue l'action de l'Union européenne au Congo, M. Raoul Mateur Pola a réitéré l'engagement de son institution à poursuivre jusqu'à terme les chantiers mis en œuvre au Congo par l'Union européenne. Ces projets sont vivement attendus par les autorités congolaises qui souhaitent d'ores et déjà la reprise des séances de travail à cet effet. La préservation, qui est essentielle parce que le Congo, c'est un trésor mondial, c'est le deuxième poumon de la planète, donc on ne peut pas se permettre qu'il se dégrade. En même temps, on sait que les populations ont besoin de développement, l'économie a besoin de se diversifier. Comment arriver à trouver le bon équilibre entre les deux et comment aider le Congo dans sa politique de gestion des terres, c'est là tout l'enjeu de CAFI et c'est bien pour ça qu'on est ici, pour aider, constater d'abord le travail qui a été fait, le bon travail qui a été fait par le Congo jusqu'à présent et aller plus loin en vue de l'adoption d'une lettre d'intention qui permettra au Congo d'être éligible à des financements du programme CAFI. Même son de cloche pour la nouvelle représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotumu Ouattara, qui a été reçue en audience par le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouillat, le mardi 2 octobre 2018. Au cours de cette séance de travail, à laquelle ont participé la coordination technique de la délégation générale aux Grands Travaux et l'unité de coordination du projet, les deux parties, préoccupées par la performance des projets conduits au Congo avec la participation de la Banque mondiale, ont fait le point sur l'avancement des projets de développement urbain des quartiers précaires d'Urcap et le projet de construction de barrages hydroélectriques de Sunda. Ce projet est directement sous la tutelle de Monsieur le ministre et donc nous voulons le faire le point sur la mise en œuvre de ce projet qui est assez satisfaisant. Et nous avons tenu à féliciter M. le ministre pour le fait que voici l'un des projets qui a été quand même mis en œuvre assez rapidement, c'est-à-dire 4 mois après son approbation par la Banque mondiale. Donc ça montre vraiment la détermination du ministère à œuvrer à ce que les activités qui ont été consignées au projet puissent se dérouler de manière satisfaisante. Dans la même lancée, la porte du bureau du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux s'est ouverte le lundi 10 décembre 2018 pour accueillir tour à tour la conseillère économique et commerciale près l'ambassade de Chine au Congo, Yang Pépé, le directeur de l'Agence française de développement au Congo, Lionel Caferini, et l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella. L'audience avec Madame Yang Pépé a porté sur la revue de tous les sujets liés aux conclusions du Forum de coopération Chine-Afrique et de la 4e édition du Forum Investir en Afrique, tenu en septembre dernier, respectivement à Beijing et à Changsha. Les deux interlocuteurs ont également planché sur les préparatifs de la 5e édition du Forum Investir en Afrique qui aura lieu en septembre prochain en République du Congo. Quant au directeur de l'AFD au Congo, Lionel Caferini, il a échangé avec le ministre Jean-Jacques Bouillat sur les projets de coopération financés par l'Agence française de développement. Il s'agit de deux catégories de projets, à savoir ceux en cours de réalisation et ceux en études dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et d'assainissement.
Enfin, avec l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella, il s'est agi aussi des sujets de coopération bilatérale entre ce pays et le Congo. Les deux hommes d'État ont également évoqué les sujets de coopération multilatérale directement liés aux institutions financières internationales. Nouvellement installé en République du Congo, le diplomate italien Stefano De Leo est allé présenter ses civilités au ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya. Les deux hommes d'État se sont entretenus sur les dossiers de coopération bilatérale en matière d'infrastructure et sur les modalités de faire avancer les projets liés, entre autres, au port autonome de Pointe-Noire, au chemin de fer Congo-Océan et à la réalisation des 5000 logements à Kintele. L'Italie est prête à travailler ensemble avec le gouvernement du Congo. On doit trouver les moyens à collaborer, à unir les efforts, à faire si que la crise va terminer. On doit trouver des solutions. Et j'ai dans mes mains le livre que Monsieur le ministre a publié, le discours sur un Congo en chantier. On veut participer à le chantier et on veut trouver les moyens pour faciliter le développement pour le bien-être et le progrès du pays. À toutes les strates, il fallait alterner combinaisons de chantiers et tenues officielles pour répondre aux exigences de résultats. Ce fut fait, puisque les résultats obtenus durant les 12 mois de travail battent en brèche la rhétorique. Voilà donc pour le volet coopération de la rétro 2018 du ministre Jean-Jacques Bouya. La semaine prochaine, nous vous proposerons le second volet consacré à la visite des chantiers, les chantiers supervisés par les grands travaux bien sûr. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale 2018. Au revoir.